Le PSG Lyon de cette 9e journée de Ligue 1 a été d'un très bon niveau. Il y eut une multitude d'occasions de part et d'autre, mais Paris a eu plus de chance et de réalisme. En première mi-temps, Lyon s'impose dans le jeu, mais Paris a les meilleures occasions, notamment avec une intervention du portier lyonnais sur des frappes de Gamero. Loris voyant même le ballon taper sur le poteau suite à une action de Pastore. En seconde mi-temps, Paris est en deçà et attaque moins, et puis se réveille avec Pastore qui trompe Loris dans un angle impossible. 1 à 0, Loris avait fort à faire, mais sur le but, il aurait pu faire mieux. Lyon manquait le marquer souvent, notamment avec une tête immanquable de Gomis qui ne put cadrer. À la fin du temps réglementaire, Jallet fait une reprise de volée tout près du but lyonnais et alourdissait la note. 2-0, 91e minute. Il y eut une cascade d'occasions dans ce match de très bon niveau technique et c'est le Paris Saint-Germain qui prend 3 points ce soir et consolide sa première place en Ligue 1.